Coucou les filles. Alors je reviens après une petite semaine d'absence pour vous parler en fait des produits que j'utilise pour mes cheveux, dont surtout une commande en fait que j'ai faite il y a à peu près 3 semaines sur calistacapillaire.com. Bah, je vous mettrai donc le site dans la barre d'infos si vous ne connaissez pas déjà. Donc c'est des produits de la marque TJ, la gamme Bedhead, parce que c'est des produits qui déjà dont le design me plaît énormément et ensuite qui m'avait l'air pas mal. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une revue pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Alors bien sûr, moi mes cheveux ils sont longs, mais ils sont fins en fait et raides. Donc c'est sûr que vous n'avez sûrement pas les mêmes cheveux que moi, mais ça peut quand même vous donner une idée de ce que valent ces produits. Alors, donc je vais commencer par le shampoing quand même, parce que c'est la base. Donc, c'est celui-là. Donc, il s'appelle Some Like It Hot. Et en fait, donc c'est un shampoing tout à fait classique, mais qui est sans sulfate. Et moi, j'aime bien le produit sans sulfate. Enfin, je sais pas pourquoi, je m'en suis fait une nouvelle lubie. Mais voilà, donc celui-là est très bien. En tout cas, il se démêle assez facilement. Il n'est pas difficile à rincer ni quoi que ce soit. Donc, à savoir si je le rachèterai ou pas, je suis pas sûre. Parce que quand même, c'est des produits qui valent à peu près 10-12 euros chacun. Donc, un shampoing restant quand même un shampoing, je suis pas sûre de le racheter. Ça dépendra de si j'en trouve un autre à tester aussi, pourquoi pas. Donc, voilà pour le shampoing. Ensuite, donc, après le shampoing, j'ai le choix en fait. Dans tous les produits que j'ai achetés, il y en a deux qui se combinent. Donc, il y a celui-là. Donc, il s'appelle le Superstar. C'est un produit qu'on met sur les cheveux mouillés et à la racine des cheveux en fait. Donc on met sur la racine, moi je le fais réparer et ensuite derrière, un peu comme on ferait pour une couleur à l'étalage, enfin au départ quoi. Donc c'est une espèce de lac, si on veut, ou ça doit faire une sorte de lac, mais qui reste mouillé, donc les cheveux sont asséchés après. Et qui diffuse assez large en fait, c'est pas juste un fil, je sais pas si on va voir, je vais essayer de le faire. Ouais, on voit un peu. Donc déjà ça a une super odeur, tous ces produits là ont une super odeur. Et donc on mettait ça aux racines, moi je masse un peu pour faire diffuser le produit. Et ensuite vous avez celui là. Donc il s'appelle aussi Superstar bien sûr parce que c'est la même gamme, c'est le complément de l'autre produit qui se fait cette fois sur les longueurs. Donc voilà, je l'ai pour l'instant pas beaucoup utilisé parce que j'en utilise surtout un autre en ce moment. Mais je le trouve pas mal aussi. Ça fait quand même, après il faut, je vais pas vous le cacher, ça fait un effet cheveux mouillés, donc une fois qu'ils sont secs. Donc pour celles qui n'aiment pas... l'effet un peu, je rentre de la plage, mes cheveux sont un peu ébouriffés à cause de la plage, c'est vrai que c'est pas top, mais moi j'aime bien parce que du coup ça donne une espèce de matière aux cheveux et ça change un peu en fait. Ensuite, il y a le produit donc, que j'utilise le plus, c'est celui-là, donc il s'appelle le Small Talk, et donc ça c'est une espèce de, je vais vous montrer un peu. Donc ça ressemble, c'est assez pâteux, gluant, mais donc ça c'est un produit qui se met sur les cheveux mouillés je crois, ou même secs, peu importe, et qui est épaississant, pardon, donc épaississant, une toute petite noisette suffit hein, pour mes cheveux, qui sont quand même assez longs. Mais à la première fois j'en ai mis, je sais pas, 3 peut-être, parce que je pensais que c'était assez léger, mais pas du tout, donc faut faire gaffe. Du coup, ce qui fait qu'il durera plus longtemps et tant mieux, mais alors ça aide vachement pour le démêlage des cheveux, moi je trouve, parce que il s'emmêle pas mal les miens, donc je dois souvent galérer pour les coiffer, mais là c'est très bien avec ça. Et puis ça sent très bon en plus. On se rend compte quand il pleut ou quand on se re-rince les cheveux après que ça laisse pardon, une bonne odeur sur les cheveux et surtout une texture qui est assez douce. Et quand on se relève les cheveux après, on se rend vraiment compte que ça leur a fait du bien, que c'est tout doux en fait. Voilà, et puis j'ai commandé un autre produit, mais cette fois-ci je regrette vraiment parce que je me demande comment je vais faire pour l'utiliser. Donc c'est celui-là.
Donc il s'appelle Coqui. Et en fait, c'est, il y a marqué gel épaississant pour des cheveux plus volumineux. Alors en fait, je pense que c'est quelque chose qui s'utilise sur les gens qui ont les cheveux très courts pour se faire des coiffures un peu en l'air, style gel, quoi, effectivement. Parce que c'est pareil, c'est un produit qui est vraiment, on dirait un peu de la colle à bois. Hein. Et puis, ça fait vraiment très très colle. C'est pas mal, enfin, j'aurais bien voulu savoir m'en servir, ou si quelqu'un d'ailleurs sait, pourquoi pas me le dire dans les commentaires. Je le trouve bien, donc, enfin, mais sauf que ça va pas à mes cheveux, quoi. Quand j'en mets dans les cheveux, je peux plus les bouger après. Enfin, ça leur donne une tenue, mais indéfixable en fait. Enfin, comment dire, ils peuvent plus bouger après, ils peuvent plus les replacer autrement parce que. On aurait l'air d'avoir vraiment les cheveux pourris, quoi. Enfin, vraiment, non, j'aime pas. Mais effectivement, si j'avais les cheveux très courts, je m'en servirais beaucoup parce que ça permet de les faire gonfler, en fait. Et quand on a les cheveux longs, ils sont plus lourds, et donc, du coup, c'est vachement plus difficile. Du coup, ça, je regrette vraiment. Je me demande quand est-ce que je vais l'utiliser, sauf peut-être quand je vais me couper les cheveux, tout simplement. Voilà, donc c'était pour vous présenter cette gamme-là. Quand j'achèterai autre chose, je vous présenterai autre chose, mais là, comme j'avais pas mal de produits, enfin, il y en a quand même 5, je voulais vous les montrer indépendamment des autres que j'utilise. Donc voilà, je reviendrai sûrement plus tard, peut-être dans la journée ou demain, pour vous présenter autre chose. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.